Bonjour les enfants, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer une simple animation pour un gentil pingouin. On va ajouter d'autres costumes et on va utiliser les outils de dessin pour donner une allure différente à notre gentil pingouin. Alors, pour faire toutes ces modifications, on va ouvrir d'abord Scratch. Et la première chose qu'on va faire, c'est supprimer le lutin Jean. Voilà. Maintenant, on va chercher notre ami à partir de la bibliothèque des lutins. Là, on cherche. Le voilà. Et on clique sur OK. Très bien. Maintenant, on va cliquer sur l'onglet costume. Voilà. C'est la zone de dessin. Pour avoir un deuxième costume, c'est simple. Je clique avec le bouton droit de la souris sur le premier costume du pingouin et je choisis duplique. Voilà. J'obtiens un deuxième costume. Voilà, maintenant je vais faire des modifications. Je vais cliquer sur le bouton ligne. Ensuite, je vais choisir la couleur rouge. Et j'ajoute des sourcils. Très bien. Maintenant, je vais ajouter un troisième costume en cliquant sur le deuxième avec le bouton droit de la souris. Et je sélectionne dupliquer. Voilà. Maintenant, je vais dessiner une fleur sur la main du pingouin. Je vais sélectionner le crayon et je vais choisir la couleur verte. Maintenant, regardez. On va essayer de dessiner une fleur. Voilà. Les feuilles. D'accord. Voilà. Et voilà. D'accord. Maintenant, j'ai trois costumes différents. Maintenant, je vais revenir à la zone de script. D'accord. Et je vais commencer mon programme. Alors, la première chose que je vais faire, à partir de la catégorie événements, je place quand on va pouvoir cliquer. Ensuite, à partir de la catégorie apparence, je prends basculer sur le costume du pingouin 2 et on va attendre une demi-seconde. Je dois mettre ici 0,5. Ensuite, à partir de l'apparence, j'ajoute le bloc basculer sur le costume pingouin 3, c'est déjà sélectionné. D'accord? Toujours la même chose, on va attendre une demi-seconde. Et, à partir de la catégorie apparence toujours, basculer sur le costume pingouin 1. Et, bien sûr, attendre une demi-seconde. D'accord? Et pour répéter cette opération, je vais cliquer sur répéter indéfiniment. Maintenant, je vais exécuter le programme. Regardez qu'est-ce que ça va donner. Le pingouin, son sourcil est avec une fleur.
D'accord, vous avez compris? J'espère que vous avez aimé cet exercice. Mes chers élèves, je vous remercie infiniment et à bientôt.